Got no time. Got no mind. C'est à Réon, en Meurthe-et-Moselle, que nous posons notre caméra cette semaine. Le bistrot du Breuil est une adresse atypique à la personnalité bien tranchée. Cette maison est à l'image de son chef, Patrice Villaine. L'établissement appartenait à ses parents et en 8 ans, Patrice a réussi à le transformer en un lieu prisé des épicuriens. Et on comprend pourquoi lorsque l'on découvre sa carte. Il fait partie de ces chefs qui cuisinent à l'instinct en fonction de ses envies et de ses coups de cœur. Et ça fonctionne. La preuve avec le menu du jour aux accents asiatiques. En entrée, il a prévu un rouleau de printemps. Pour le plat, ça sera des makis frits avec un caviar d'aubergine. Et en dessert, un consommé de fraises, fruits rouges du moment et un yaourt au thé matcha. On le rejoint immédiatement. Time for sleep now. Time to sink way into the blue. So what's your time? Turn the sound. Let it spill quietly from your hand. Oh, and the time is at hand when all things under the sky go free of time. No time is passing you by. I've got no time, and I'm drifting. Donc là, on a nectarine, céleri vert, fruit de la passion. Donc voilà. C'est ta petite sauce. Ouais, voilà. Et ça accompagnera quoi? Alors, c'est quoi l'entrée aujourd'hui? Alors, l'entrée aujourd'hui, on va faire des rouleaux de printemps qu'on va garnir avec les petits vermicelles de riz. On va y ajouter du concombre, un peu de salade croquante. Là, on a mis de la romaine, de la menthe. Et on a fait confire du cabillaud, un filet de cabillaud qui est immergé dans de l'huile d'olive. À 60 degrés. D'accord. Donc ça cuit pendant 20 minutes. Ça cuit tranquillement. Ouais. Et puis tu accompagneras avec des petits champignons, c'est ça? On va les poêler? Les girolles. Hein? Donc je les mets? Ouais, vas-y. Poêle bien chaude. Ouais, poêle bien chaude. Voilà. Comme elle était un peu trop chaude, j'ai pas mis de beurre en premier, j'avais peur qu'il brûle. Ces champignons, on va les retrouver à côté. On va les mettre par-dessus les rouleaux de printemps. D'accord. Voilà. Comment t'as eu cette idée justement de te dire, ah tiens, je vais associer des petits rouleaux de printemps Les rouleaux de printemps, c'est ma compagne qui avait envie de faire des rouleaux de printemps, donc ça m'a donné l'idée directrice. D'accord. Et puis, après une petite balade dans la forêt, j'ai observé un peu les champignons qui commencent à pousser. Et comme c'était de la course à pied, je suis rentré à la maison, j'avais très faim. J'ai regardé un peu ce qu'il y avait dans le frigo. Et puis j'ai assemblé toutes ces petites idées là. D'accord. En fait, là, et tu as fait le rouleau de printemps que tu as fait chez toi, là tu le fais voilà. Pour nous. Mais voilà, j'ai fait une petite recette au feeling avec quelque chose que j'avais envie de manger à un certain moment. Alors je mets des échalotes et un peu d'ail. Et cette cuisson là du cabillaud comme ça dans l'huile à 60, ça c'est pareil, c'est quelque chose que tu as. Enfin, comment t'es venue cette idée là? Là j'ai rien inventé. J'ai vu ça sur une vidéo. D'accord. Un cuisinier à Annecy qui faisait une préparation comme celle-là avec du rouget. Et tu t'es dit, c'est sympa. Je me suis dit que c'était vraiment sympa. Donc la cuisson est douce, le poisson n'est pas agressé. On arrive à avoir une cuisson très juste avec un poisson qui est bien nacré à cœur. Là, les champignons, ils sont cuits. C'est assez rapide. Bon, je ne sais pas si tu as remarqué, mais avant de les mettre dans la poêle, je les avais fait transpirer un peu. Hein, j'avais enlevé l'eau de végétation des champignons. Tu les as fait un petit peu dorer. Ouais, voilà. Là, on avait fait une petite pré-cuisson sur le champignon. Là, on l'a fait colorer. Là, on le laisse de côté, on va faire quoi ensuite, voilà. Patrice? On va attaquer la vinaigrette. Donc, on a les fruits de la passion, la branche de céleri vert, la brunoise de nectarine. Je vais y rajouter la sauce soja. D'accord. Donc juste de la sauce soja salée, classique. Salée. Et un petit peu d'huile d'olive. Voilà. D'accord. Voilà. Et ça, c'est Un peu plus qu'un petit peu d'huile d'olive, parce que la sauce vierge, c'est principalement de l'huile d'olive. Il faut que ça nappe comme une vinaigrette. Cette sauce-là, elle sera à côté dans un petit bol et on trempera le rouleau de printemps ou tu la mettras sur ton assiette? Je vais la mettre par-dessus. D'accord, allez. Comme ça, quand on va découper le rouleau de printemps, on viendra chercher aussi de la nectarine sur la fourchette. Écoute, là on est bon. Moi, c'est pas facile. Super. Voilà.
Donc on va couper et façonner nos... Exactement. Alors, le filet de cabillaud qui est cuit. Donc ouais, ça se coupe pas forcément quand il est cuit comme ça. Ça fait des feuilles, tu vois. Et là, on a vraiment une jolie cuisson parce que le poisson, il est... Tu vois qu'il est, il est encore nacré, ouais, il n'est pas trop cuit. Et la mozza, c'est pourquoi? Tu vas le mettre aussi avec? Tu vas faire... Ah non. Dis-moi. La mozzarella, là, c'est une version de rouleau de printemps avec du cabillaud. Mais je pensais que ça serait bien aussi de le faire version végétarienne. Ah, super. Donc, tu en auras un cabillaud et un et mozza. Et un la mozzarella. Super. Voilà. Bah écoute, on peut les façonner. On va attaquer. Toi, t'as le cabillaud. Oui. Et toi, t'as le mozza. Le mozza, attends, végétarien. C'est pas évident à découper. Bah, je vais essayer de prendre un peu de sauce vierge et un peu de champignons. J'aime beaucoup avec la sauce vierge, ça fait toute la différence. Puis voilà, ce qui est sympa, bah, c'est le rouleau de printemps. Et c'est vrai que ton cabillaud, comme ça, la cuisson, il est fondant, nacré. Et puis voilà, t'as quand même un petit peu de goût d'huile d'olive. Donc, non, c'est gourmand. Le petit fruit de la passion aussi qui donne un petit peu d'acidité, un peu de peps. Le tout fonctionne très bien. Voilà. C'est frais cette saison, donc c'est vraiment bien. Ah oui, tu valides l'essai. Voilà. Pour le plat, tu as prévu quoi? Pour le plat, on va faire un saumon, oui. un petit bâtonnet de saumon qu'on va poudrer de curry et enrouler dans la feuille de nori. D'accord, donc tu restes avec un peu les aspirations asiatiques. Ouais, voilà. Et on va rouler ça dans de l'algue et on va passer ça dans une petite pâte à tempura. Super. Voilà. Et on accompagne avec quoi? Avec un caviar d'aubergine et un coulis de tomate. Super.